Hello tout le monde, bienvenue dans cet extrait de mon atelier, donc le Human Design pour le marketing des entrepreneurs hypersensibles HPI-HPE. Et donc là, nous parlons du fonctionnement du centre-gorge, qui est un très bon indicateur justement pour votre marketing et votre communication digitale. Et voilà, on regarde ceux qui sont alignés et ceux qui ne le sont pas instinctivement, intuitivement. J'espère que ça va t'aider. Alors, je regarde un peu ce que vous m'avez mis dans le chat. On est probablement tous non définis. Ouais, c'est possible. Quand je dégorge des vinis, souvent, elles prennent carrément le micro. Les non définis, ils attendent un peu. Des fois, ils prennent le micro, mais ouais. Ou alors, ils s'expriment par chat. Voilà, c'est souvent le cas. Alors, on me sort toujours que je suis extravertie, je fais pas mal de live et suis suivie sur les réseaux, etc. Que j'ai du charisme et parler devant des centaines de personnes sur scène en 100% improvisation, j'adore. Pourtant, je suis censée être non définie. Ah, alors il y a peut-être d'autres choses qui interfèrent du coup avec votre design. On voit. La gorge, c'est un grand indicateur, mais comme je vous ai dit, hein, c'est des pistes hein, que je vous donne aujourd'hui. Il y a peut-être autre chose qui interfère là-dessus, à creuser du coup, à voir ce qui vous donne cette énergie. Bravo pour moi, impossible. Ok. Alors justement, on me sort, pourquoi tu ne dis rien, tu fais pipi et mort de rire, alors que ce sont des remarques souvent faites pour les définir. Ah. À creuser, à creuser. Qu'est-ce qui interfère ici? Qu'est-ce qui vous donne ces aptitudes? Alors, je suis comme ça, je réfléchis avant de parler, mais quand je suis en face, ça ne sort pas. Ah, moi, c'est pareil, hein? C'est énergie de la synthèse. La synthèse, elle a besoin de prendre du recul, de réfléchir, et après, on parle. Et généralement, bah, on va prendre en compte des choses et du recul que le spontané, lui, n'a pas vu. Mais il faut les deux. Il faut du spontané et il faut de la synthèse, hein? Il faut des deux. On a besoin des deux. Alors, projecteur autoprojeté, gorge définie, oui, bien sûr. Pourtant, je n'ose pas me montrer sur les réseaux, donc je dois être désalignée, en tout cas par rapport au regard de l'autre. Donc, l'intimité, aucun souci. D'accord. Donc, dans l'intimité, ça va, mais le fait de se montrer, ah, il y a peut-être l'histoire de se vendre, de vendre ses compétences, hein, qui peut coincer aussi, des fois. Histoire d'invitation aussi, peut-être que vous ne vous sentez pas invité à le faire. Peut-être qu'il n'y a pas le bon environnement, peut-être qu'il n'y a pas les bonnes personnes en face. Il y aura plusieurs choses qui coincent là. Alors, un carré dégradé, signification définie. Un carré dégradé, bah c'est soit il est colorié, soit il ne l'est pas. Donc, s'il est dégradé, il est colorié. Donc, il est défini. S'il n'est pas défini, il est blanc. Alors, j'ai la gorge définie, je parle bien en direct avec les gens, je suis à l'aise à l'oral, mais live et réel, jamais fait. J'ai jamais osé, même si j'ai toujours voulu essayer. L'instinct du défini qui parle, là, ouais. Je ne sais pas si je serai à l'aise. Les vocaux, pareil, j'ai du mal, je commence juste. Ah, laissez-vous un peu de temps, ça va venir. Mais en tout cas, c'est en accord avec cette énergie-là, ouais, avec l'énergie de la gorge définie. Moi, c'est souvent hein, dans mes clients qu'au départ, ils n'osent pas. Et ils comprennent après le fonctionnement de leur gorge définie, et on fait les liens hein, avec le vécu. Et oui, ils comprennent. Et ils comprennent que finalement, ils sont limite déjà en train de le faire instinctivement dans certaines parties. Et après, ça débloque beaucoup de choses et du coup, ils se réalignent. Donc voilà, le fait d'analyser hein, la carte et puis de faire le lien avec le vécu, la personne et tout, voilà, ça explique les choses et du coup, après, on se réaligne. Ok, donc ben, vous voyez, hein, il y a déjà des instincts, il y a déjà peut-être des prises de conscience aussi hein, sur certains points à creuser, hein, du coup, voilà, à creuser, mais voilà, là on est sur un indicateur qui déjà vous oriente hein, vis-à-vis de votre communication. Voilà, donc n'hésitez pas à réaligner, à réajuster hein, si vous sentez qu'ici, il y a des alignements. Donc voilà, c'était un extrait hein, de la thématique du centre-gorge hein, qu'on aborde du coup dans mon atelier Human Design pour le marketing des entrepreneurs hypersensibles HPI-HPE. Écoute, si toi aussi tu veux participer à cet atelier, je t'invite à te rendre sur espritjcom.com/atelier et tu retrouveras les dates des prochaines sessions pour venir poser tes questions en live. C'est quand même plus sympa. Pour ceux qui veulent accéder au replay des ateliers et aussi au support hein, PDF que je fais hein, dans mes ateliers,
Donc pour ça, c'est très simple, il suffit de t'inscrire à ma newsletter et tu reçois un mail tous les lundis avec les accès hein, au replay, au téléchargement des supports, ainsi qu'à l'agenda de la semaine. Voilà. Et donc pour t'inscrire à la newsletter, tu retrouves le lien en dessous de la vidéo ou aussi sur mon site hein, espritdigicom.com/newsletter. Voilà, et moi je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!